Bonjour à vous, c'est Catherine. Donc je reviens vers vous pour la 43e vidéo. Donc nous sommes le mercredi 23 octobre 2019 et il est 16h55. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc en fin de compte, je vous ai parlé donc de la tourmaline noire, donc qui est en brut. Hier, je vous ai fait une vidéo et elle était en train de se purifier. Là, je l'ai mis légèrement rechargé avec le peu de soleil que nous avons ici. Et là, c'est la tourmaline noire en pierre roulée. Donc, ça n'a pas du tout le même aspect. Hein. Et puis, je vous présenterai un peu mieux donc Murmure de nos anges, hein, un petit oracle édition Contredire. Voilà, de Debbie Malone. Et je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé hier. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vous avais présenté hier donc Murmure de nos anges de Debbie Malone, édition Contredire. Et je vous avais parlé donc Murmure de nos anges. Je vous avais lu ce petit article que voici. Voilà. Et par contre, je ne vous ai pas lu ce qui a marqué à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Comment utiliser les cartes? Place ta main gauche au-dessus du jeu. Ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition. Lis le message de guidance des anges. Voilà, donc je vous les ai présentés hier. Je vous ai dit que c'était des lames dorées. Mais en fin de compte, non. Les lames des cartes, c'est juste les tranchants des cartes qui ont un aspect doré, comme vous le voyez. Des deux côtés. Voilà, donc c'est des petits messages. Voilà. Voilà, elle se présente comme ceci. Il y a une petite plume qui est en dessous du message. Et l'arrière de la carte, Murmure de nos anges avec des petites plumes blanches. Je trouve ça sympa. Donc je vous avais dit que je serais amenée à faire de la guidance. Donc bien sûr, il faut aimer ce style de message. Et par conséquent, c'est sûr, vous allez dire que c'est simple, il y a juste à lire. Mais en fin de compte, il n'y a pas juste à lire. Il faut après, comment dire, approfondir avec son intuition. Voilà. Donc, je les remets dedans. J'ai fait des petites recherches. J'ai vu ce style de petit oracle. Alors, il y a le petit oracle des fées. Il y a le petit oracle des couleurs. Il y a Gaïa aussi, c'est pas mal du tout. Donc après je serai amenée par la suite m'en procurer d'autres. Et voilà, et ça c'est un cadeau donc que l'on m'a fait hier, puisque je l'ai reçu hier. Et je vais vous parler de quelque chose entre les pierres que j'ai reçues hier et le murmure de nos anges. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avant de vous parler des vertus donc de la tourmaline noire. Dans la 42e vidéo, donc celle d'hier, donc nous étions mardi 22 octobre 2019, et je vous avais dit que c'était l'anniversaire de ma mère et qu'elle aurait eu 88 ans. Donc lors de ma présentation d'un nouvel oracle offert donc par Laure, dont je remercie Laure au passage, parce qu'elle savait que j'avais des vues sur ce jeu, et comme maintenant elle connaît quand même bien mes goûts, donc je la remercie encore et encore. Voilà, murmure de nos anges. Donc voilà, hier nous étions bien le 22 octobre 2019, et comme je vous l'ai dit, c'était bien l'anniversaire de ma mère qui aurait eu 88 ans. Et avec le recul, j'ai constaté que j'ai reçu donc ces pierres et cet oracle ce jour-là. Voilà, c'est tombé donc hier, le jour de l'anniversaire de ma mère qui aurait eu 88 ans. Donc bien sûr, j'ai eu une énorme pensée, hein, et en lui dédiant cette vidéo. Et il est arrivé une chose inexplicable. Donc vous n'allez peut-être pas me croire parce que je n'ai pas la preuve, et c'est bien dommage. Pendant le transfert de ma vidéo, donc celle d'hier, la 42e,
Alors sur le téléphone, une page s'est ouverte avec une musique entraînante. Et il faut savoir que ma mère adorait danser, inscrite dans un club de danse et de marche également. Un petit peu avant ses 80 ans, mais à 80 ans, elle dansait toujours. Donc elle faisait également bénévolement des spectacles de danse. Donc dans des maisons de retraite et faisait elle-même ses tenues. Donc c'était un beau geste de faire ces spectacles gracieusement et en plus elle se faisait plaisir. Et en attendant cette page de musique entraînante, j'ai eu comme un ressenti, comme si qu'on me disait merci. Ou je ne peux pas vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, cela fait partie donc de l'inexplicable. Mais j'ai ma propre vérité, peut-être d'une manifestation de sa présence à travers cette page de musique entraînante qui s'est ouverte juste quelques minutes après. J'en ai encore la chair de poule d'ailleurs. Donc personnellement, je crois à l'univers, à la providence et à ce que je vois, mais aussi à l'invisible. Donc chacun, chacune, ses croyances. Et c'est vraiment bien dommage que je ne puisse pas vous prouver ceci. Cette page de musique entraînante qui s'est ouverte comme par hasard. Et pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc voilà ces deux pierres brutes donc, de la tourmaline noire, voilà, que j'ai reçues hier. Donc hier je vous ai montré une autre pierre roulée, donc j'en ai deux comme celle-ci. Je vous avais expliqué vaguement un petit peu sur ses bienfaits et puis c'est une pierre de protection et c'est une pierre qui se situe au niveau des chakras, au premier chakra donc au niveau du chakra, comment dire, racine. Donc c'est une pierre, on va dire, d'ancrage. Voilà. Donc voilà, j'en ai deux. Alors, il faut savoir, je vais vous dire un petit peu l'histoire de la pierre, mais je vais vous la montrer un petit peu avec ma petite lampe électrique que je n'ai toujours pas la lampe adéquate pour. Donc elle a été très peu rechargée. Donc voilà, je vais mettre ma lampe de loin. Elle a été très peu rechargée au soleil parce qu'il y a très peu de soleil donc, dans la ville où je me trouve. Donc voilà un petit peu, vous voyez, si on regarde comme ça, un peu des reflets dorés. Voilà, c'est vraiment. Et puis elle est quand même lourde, hein, elle fait quand même son poids. Donc voilà, là on retrouve un petit peu sa brillance au niveau de la pierre roulée, légèrement. Voilà, et je vous montre la seconde. Donc je ne vais pas mettre la lampe de trop près parce que c'est pas fait pour. Donc voici. Voilà, on voit pas trop ça. Voilà, on voit un peu sa brillance ici, ici. Et je vais vous expliquer après son rechargement. On voit un tout petit peu ici. Mais bon, c'est une pierre brute, hein. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire de la pierre. Donc, la tourmaline est originaire du Sri Lanka. Donc, où la légende révélait que cette pierre semi-précieuse venait du ciel et aurait atterri sur terre. Donc, pendant sa descente, elle aurait franchi ou aurait dérapé sur un arc-en-ciel qui lui aurait prêté ses grandes variations de teinte. Cela explique son nom qui veut dire la pierre aux mille couleurs. Il semble qu'on connaissait la tourmaline depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, mais en raison de l'immense diversité de sa couleur, on la confondait très fréquemment avec d'autres pierres. Donc cela explique pourquoi il existe peu de légendes en rapport avec la tourmaline. Bien que cette pierre fût utilisée depuis l'aube des temps, son histoire n'est pas très remplie et fournie car elle ne fut véritablement identifiée que tardivement. À un certain moment, on l'avait prise pour une émeraude et ce n'est qu'un exemple donc parmi tant d'autres. Alors, la tourmaline est aujourd'hui de plus en plus populaire et de plus en plus sollicitée.
Je vous avais expliqué que maintenant ils vendaient des pierres comme ça, mais très très fines pour mettre derrière ces téléphones de portable, à savoir pour se protéger donc des ondes électromagnétiques, parce que les portables, bien sûr, on s'en sert de plus en plus souvent et même de trop. Là, je suis bien obligée pour la vidéo, mais faut faire attention, quoi. C'est des ondes qui sont pas très 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 bonnes. Voilà, entre guillemets. Alors, mais surtout l'impératrice Sixty ou Ceyi, qui gouverne à la Chine de 1861 à 1908, qui était sûrement une grande admiratrice inconditionnelle. Alors, elle faisait la collection des objets de tourmaline, devenant même la mode à la cour impériale. L'impératrice finit par assembler sculptures, bijoux, attaches de montres, etc., etc. Et elle sommeille aujourd'hui sur un oreiller de tourmaline. Alors, en 1912, la tourmaline fut déclarée donc officiellement la pierre de naissance officielle d'octobre. Et je n'ai pas choisi de faire cette vidéo en ce mois d'octobre. Coïncidence. C'est aussi la pierre qui symbolise les 52 ans de mariage. Alors, les principaux gisements se trouvent en Afghanistan, pardon, j'ai du mal à dire ce mot. Alors, en Angola, en Australie, en Birmanie, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, Madagascar, je vais y arriver aujourd'hui, en Mozambique, Donc, je continue. Je continue, il y a eu un petit problème technique, il y a eu de la pub qui s'est mise. Donc ça m'a un petit peu déconcentré. Alors donc j'en étais, donc les principaux gisements se trouvent, voilà, en Mozambique, en Rhodésie, en Russie, au Sri Lanka, en Tanzanie et en Thaïlande. Donc on va parler de la caractéristique de la tourmaline. Donc en fait, le nom de tourmaline rassemble de nombreux minéraux qui font partie de la famille des silicates. Alors bien souvent, la tourmaline a la forme de baguette à l'état naturel, rayée. Il est aussi, comment dire, fréquent de voir la tourmaline avec des petites fêlures, quelquefois ondoyantes, mais aussi perpendiculaires. Sa section a la forme d'un triangle présentant des faces courbes. Donc la terminologie de tourmaline dérive étymologiquement du singhalais, la langue pratiquée au Sri Lanka. Donc entre guillemets, turamali ou toramali, oh, je vais y arriver aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Littéralement, donc la pierre aux mille couleurs ou alors la pierre aux couleurs mélangées. Donc le mot tourmaline est actuellement un mot générique désignant toutes les variétés de couleurs de cette pierre. Donc on peut citer entre autres dravite, entre guillemets tourmaline marron, paraibaï, entre guillemets tourmaline bleu turquoise, bleu néon, Santa Rosa, tourmaline verte, émeraude, et la liste est vraiment très très longue. Donc cette pierre, donc ces pierres, c'est une pierre fine. Alors donc cette pierre fine est très populaire grâce à une palette très riche en couleurs et à sa qualité supérieure pouvant concurrencer les pierres précieuses. Donc la tourmaline a l'aspect transparent avec donc une grande diversité de teintes qui varie en fonction des autres minéraux se trouvant à proximité.
qui illumine tout le long de son développement. Alors, si par exemple elle se trouve exposée au reflet gamma naturel du granit, elle aura une teinte allant du rose pâle au rouge. Donc là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Voilà, là, c'est vraiment la pierre brute, vraiment à l'état brut. Hein. Voilà. Donc, nous allons parler donc des vertus de la pierre tourmaline. Alors, la tourmaline est un minéral qui possède des vertus innombrables. Donc, elle peut vous délivrer des influences du mal. Donc, je vous avais parlé que la tourmaline noire, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est une pierre de protection. Donc, je me répète, il me semble que j'avais fait, je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur Facebook que j'ai fait, que j'ai parlé donc de cette pierre, la tourmaline noire. Donc, c'est une pierre de protection, hein, donc elle peut donc vous délivrer des influences du mal. Alors, elle est efficace aussi pour développer l'inspiration et l'esprit créatif. Donc, voilà, pour les personnes qui sont créatives. Donc cette pierre va vous donner, vous développer davantage l'inspiration pour tout ce qui est créatif. Hein. Alors elle vous aide à relever des nouveaux défis et à améliorer vos capacités de négociation.